Détectons un signal de détresse intermittent et, d'après nos déductions, les extraterrestres attaquent un avant-poste de la Résistance. Ça se présente mal. Nous allons sécuriser la zone au plus vite. Neutraliser les contacts ennemis. Eh, c'est parti, Wolfpack. Menace 1-5. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils. Advent est arrivé en force, tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Alors, c'est parti. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des couleurs et tout qui ont changé. Et tout, donc on a des nouveaux modes, normalement, des améliorations. Ok, on a deux mecs ici. Neutraliser les forces d'Advent, ok. Alors, si je me rappelle bien, il y a des métamorphes, là, non? Je crois. Alors, les verts, normalement, ça coûte pas de points d'action. Les bleus, c'est 1. Et les jaunes, c'est 2. Ou alors, les bleus, ça vous repère pas. Et les jaunes, ça vous repère, je crois. Je crois que c'est ça. Je vous fais confiance. Un truc comme ça. J'ai marqué la cible. Marquer la cible, ok. Il y a des vipères. On a 3 personnes ici. Des personnes qui peuvent vraiment tirer. On va bouger Elena du chemin là parce que les vipères, j'espère qu'elles fassent ligne droite. Et du coup, ça va nous foutre dans la merde. On va se mettre là. Je bouge. Voilà. Alors, qui on va faire avancer en premier, du coup? Lui. What? Where? Ils n'ont pas été activés. Ouais, faut être là. Ah, c'est pas mal là, parfait. Ok, ça c'est un humain. Oh, t'es sérieux, tu les vois pas? On peut faire le coup du grappin, mais... Toi aussi tu les vois pas? Ah, ils se sont vraiment déplacés comme des saloperies, quoi. Oh, c'est abusé, quoi. Oh mon dieu. Il n'y a que cet endroit-là qui est pas bloqué. Ouais, il y a trop de débris, là, en fait. Voilà. J'ai un peu peur de ce côté, par contre. Ouais, ça va. Okay, très bien. Vous avez vu que là on a plus de problème des pourcentages. Ça a été fixé. Enfin non, j'utilise un autre mode maintenant. Déploiement du grappin. /7 à /8. On utilise quoi comme... Ouais, vous avez vu que maintenant c'est les infos, elles sont toutes bonnes. On utilise quoi comme balle? Je me rappelle plus. Lui, il ignore la truc. Bon, il pourrait en tuer une. Putain, ça fait chier que Gordon ne peut pas voir. Putain, t'as du 100%. Ouh, t'es devenue bonne, toi. Toi, t'es devenue bonne maintenant. Très bien, très bien. Take her out. Cool, cool. Come on. Ah. Shit. Shit.
Alors là, vous me faites chier là. I'm ready. I'm ready. Gordon sauve la planète. Yes. Oh putain de merde. Death can be a learning experience. Il y en a d'autres qui arrivent. Elles sont Je pas saurai apportées. Vous retrouver. Non, elles sont pas apportées, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire attention quand elles sont plantées dans le sol parce que Elena peut pas les détecter. Elena peut pas les détecter. Ça me plaît de rejouer à XCOM, ça me plaît. Ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui s'est fait... Ah, ça va faire des cocons ça. Non! Nous ne pouvons plus nous cacher. Merde. No, I don't want to. Stop. Ah, ok. Vous n'irez plus nulle part. Salut. Ça va? Ils ont des défenses. Merde. Va falloir éliminer toutes ces merdes. Et après mettre Elena en obscurité. Du coup, Elena, on va attendre. On va d'abord s'occuper de ces merdes. Oh la. Mais vous êtes sérieux? Elle s'est mise derrière l'arbre? Mais c'est fait exprès, genre? Oh, hold on. Let me reload. Ça va, on est tous très augmentés en fait. On est tous très très augmentés en précision. Là c'est des chrysalises de type 1, de niveau 1. Bon, par contre, on va pas pouvoir faire de critique. C'est autre chose. J'ai envie de d'y aller avec elle. Mais bon, elle, ce serait mieux qu'elle soit en protection en fait. Baltier. That's exactly what I'm doing. Enfin, après, c'est pas tout le monde qui a 100%. Ah, Baltier, il avait 80. Mais, tu vas pouvoir le tuer ou pas? 7. Non, tu vas pas pouvoir le tuer. T'as pas. Non, t'as pas l'augmentation, genre œil de lynx. Bon, on fait quoi avec toi? Toi, tu nous fais chier. On va devoir tirer avec... ouais, on va devoir tirer avec... Gordon. And that's why you should stay in school. Understood. We're on it. Ça move. Je me tiens prêt. Voilà, si quelqu'un arrive, on tire. Je sais où vous vous cachez. Mais merde. Non, ça va, elle attaque pas. Elle va se cacher, peut-être. Il va tirer où, lui ? On va peut-être essayer de faire exploser le camion avec Elena. Je change de position. N'essayez pas de vous cacher.
L'une de leurs patrouilles rôde dans le coin. Le problème, c'est qu'il y a... Bon. Va falloir qu'on prenne... Va falloir qu'on aide les gens. Le problème, c'est qu'il y a une machin ici. Ok, cool. C'est quoi ce 40? Ah, c'est le cocon. Très très mal placé. Très très mal placé. On va faire ça. Let's settle this. This place is a maze. Très bien. Elle est activée apparemment. Je pensais pas qu'elle était activée. Hurry it up. Volk m'a demandé d'obéir. Très bien. Je sens pousser les ailes, va me falloir des munitions. Yeah, keep on gargling. I'm reloading. I'm ready, sort of. Oh, chier. Ce qui est bizarre, c'est qu'il tire pas. Il tire pas sur la personne qui est à côté. Donc j'ai l'impression que c'est un mimique. Parce que pourquoi il tirait pas dessus? Elle est juste à côté. C'est bizarre, hein? Non, vous en pensez quoi? On fait tout péter? Je pose des explosifs. Ah oui, ça s'est tiré sur les trucs. Ah, là, ça va faire péter l'explosif aussi. Ah oui, c'est vrai que, en fait, déclencher à distance, faire exploser les explosifs environnementales. En fait, non, c'est pas faire exploser la grenade. Faudrait tirer sur la grenade, en fait. Okay. Rayon deux fois plus étendu, le faucheur n'est pas repéré. Go. Il faut saisir toutes les opportunités. D'accord. Oups. Bon, apparemment, j'ai fait de la merde. Charge.
I guess that'll be okay. I don't like where this is going. Voilà. On Overwatch. En voilà un qui revient à la charge. Oh, tâchez de lui faire la peau cette fois. Eh ben, mes calculs étaient faux. Mes calculs étaient faux. J'ai un peu peur. Est-ce que ça va marcher ou pas? 50%. Là, on peut tirer sur la grenade. Parce que si on déclenche tout le monde, ça va faire un peu chier quand même. Là, ils vont nous voir. Ce serait peut-être le meilleur moyen d'enclencher le combat. Pour éviter de perdre trop de monde. Par contre, j'espère qu'ils vont pas passer à côté d'elle. Non, ça va. Ah, la blague! Sa vigilance, elle a été utilisée. Je sais, Gordon. Ah, protocole de détraquage. Marche pas. Je sais, Gordon, que t'as pas envie. Je crois qu'il est mort, le pod. Je crois qu'il n'y a plus personne qui va en sortir, mais pas sûr. Colère. Utilisez le grappin pour vous accrocher. Non. Vindicte. Je m'en charge. Bien. Tu restes là, toi? Oups, attends. Tu restes là, mais ça veut pas dire que tu vas pas tirer. Ah, oh, 83% est à louper. Oh, ah là 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 là. Cinq à six. On pourrait faire œil de lynx sur le mec là-bas. Dangereux ce que je suis en train de faire. Merde, ça va activer le truc si je m'avance. Okay.
Où est-ce que tu peux voir le putain de robot, quoi? Ici? On était tellement en territoire ennemi, quoi. On va se taper des monstres. Ah, oh, la chance! La chance, quoi. Non, pas assassin, œil de lynx. 9 à 12. Yes! Je vous avais dit qu'elle était bonne. Je n'avais pas dit qu'elle était bonne. Je me déplace. C'est un mélange spécial. Là par contre il risque d'aller sur Lupo. Lui va complètement aller sur Lupo. Les anciens nous envoient leur pantin. Ça va. T'as pas de rechargement gratuit, ça c'est chiant ça. Très très chiant de pas avoir de rechargement gratuit. Alors colère. Tu pourras aller sur lui. Du coup tu serais à côté. Tu pourrais tirer sur l'autre, etc. C'est intéressant. Bon, il n'y a que 54%. Là il y a 100%. Là tu pourrais te mettre vraiment à côté de lui et le défoncer. Je pense qu'on va faire du roquette, hein. On va faire de l'explosif là un peu. Ça fait chier qu'elle doit recharger elle. Just a moment. Si on la fait péter au milieu, c'est pas mal. Ça passe. C'est pas mal. Donc on ne bouge pas. Belle tuée. Reloading. Rip them apart. C'est parti. Ça n'a pas détruit les grosses caisses de l'eau. Ok, on a 2 HP ici, c'est très bien. Là déjà on a une meilleure colère. Très bien. Alors le truc avec elle, c'est qu'on peut lancer assassin. Par contre, c'est un 5 tours. On peut lancer assassin, elle peut faire tac, tac, tac. Elle peut tirer sur tout le monde, elle peut tirer sur les 3, elle peut les tuer. Elle peut les massacrer. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? C'est ça la question. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Ouais, c'est pas vraiment utile, mais elle peut le faire. En un tour, elle peut tuer tout le monde. Goddamn outworlders are ruining this country. Ah,
J'aurais même dû la mettre en protection en fait. J'aurais même mieux dû la mettre en protection. J'y vais. Il ne sert à rien de vous cacher. Les pourcentages sont pourris. Hein. Pourcentages sont un peu pourris. Il est toujours. Il est où l'autre? Il est là. Okay. On va aller le surveiller un peu. Ma vie est entre vos mains. Je vois même dans le noir. Il approche. Je crois qu'il reste plus que. Faudrait voir s'il n'y a pas un explosif à côté d'eux. Ça aurait été bien là. Je vais où on a besoin de moi. Non. Je vais où vous voulez. Ok. Moving out. On va se mettre là, comme ça on récupère lui. Elle, si c'est pas un monstre, très bien. Reste plus qu'un à récupérer pour être tranquille niveau. Déplacement tactique. Voilà. Yes, c'est bon. As-tu confirmé ? Nous avons protégé un civil. C'est bon, on a 6 sur 6, très bien. Let's move. On va le faire tirer lui. Voilà, tu fous dans la merde. Pourquoi? Parce que je voulais la mettre en vigilance. Je vais tout simplement la mettre en vigilance que eux j'ai peur qu'ils reviennent. Non, ça va, ils repartent vers Elena. Mais ce qui est bien, c'est que Elena, je l'ai mis exprès vers l'extérieur. Genre, à la base, je voulais la mettre là, genre contre la voiture. Mais je me suis dit, s'ils reviennent, ils vont passer par là, donc... On va se mettre contre la map, contre le rebord de la map. À vos ordres, commandant. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Là, je préviens, ça risque de durer un moment, parce que là, on va rien faire. On va attendre qu'ils viennent. Vers nous.
trusting you here. Come on. Donnez-moi une seconde. Voilà. Overwatch. Come out. S'il vient vers nous, tout le monde va partir en vigilance, c'est cool. S'il vient pas, pas grave. S'il vient pas, on fait péter des choses. Ils sont jamais assez près, lui. Ouais, lui maintenant, oui. Déclenché à distance, 12 points de dégâts. Ouais, mais du coup, on va l'activer. Eh, pas grave. Voilà qui devrait attirer leur attention. De toute façon, ils sont jamais vraiment collés. C'est l'occasion qu'on attendait. Abattez cette chose avant qu'elle puisse s'enfuir. Ah bah voilà, c'est bon. Maintenant, maintenant, c'est l'heure de sortir les... Alors on a la grenade flash. Je suis tenté par la grenade flash pour être... Quoique non. Non, non, non. On a le leurre. With pleasure. Ok, très bien. La glaciale, lui la salve. C'est un peu la merde. Voilà. Quand il va approcher, on le glace. Un bon 74%. Faut oublier qu'il y a l'autre aussi, hein. Voilà, on a encore une deuxième de tout. Ah non, si, oui, on en a deux. Très bien. Ah, est-ce qu'on utilise le leurre du coup? Ce qui m'embête, c'est lui. Lui, il est pas brûlé, rien. Un peu chier. J'aurais envie de me mettre là en fait. Oh, putain. Bref, on aurait pu faire protocole de combat. Tu fais chier là.
très très bon. Je soupçonne une manœuvre de contournement. L'autre il est étourdi. T'as toujours une baltier, t'as toujours une. Ouais, t'as toujours une grenade de glace. On pourrait geler tout le monde en fait. On pourrait geler tout le monde. Du coup le mec risque rien. Enfin risque rien. Il peut toujours se faire prendre des dégâts mais. Mais du coup l'autre il va pas taper quoi. Ah ouais, pas de problème. Alors, fais voir toi un peu. Tu peux pas utiliser course et tir. Il me fait chier l'autre hein, à 3 points de vie là. Il me fait chier mais d'une force. Magnifique quoi. Magnifique. Œil de lynx avec. Avec ça, ça va être pas mal. Ou alors le protocole de combat. Quoi, mais c'est les plus gros dégâts qu'on dispose. Ça serait un peu chiant de gâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait chiant de gâcher l'opportunité de faire un gros 15, par exemple. Ça serait très très chiant. Eh merde! T'es où toi? T'es pas à portée? Je te vois pas. Dois être celui-là. Allez, deux lynx, 68%, vas-y go. Allez, Gordon. Bien. Ah, il part. Ce n'est pas sa première tentative. Ne le laissez pas filer. Ok, on a un 9, 12. Get over there, move! Et de lynx. Au moins, en tout cas, on lui offre. On va peut-être pas le tuer. Non, on va pas le tuer. Mais on lui a fait énormément de dégâts. On lui a fait énormément de dégâts. À la limite, j'aimerais bien le lacérer pour.
avoir une chance de le stun. Est-ce qu'il est contre-attaque? Non. Représailles. Yes! Très très bien. Toi du coup on va pas te bouger. On va pas te bouger. J'ai besoin de recharger. Je passe en vigilance. Il va nous faire chier un peu, mais il est trop loin. Quoique. Est-ce qu'il va taper? Ok, je l'ai. L'autre il est toujours étourdi. À 8-25. 7 à 8, il a une chance de taper encore. S'il part. Après, je peux mettre les autres en surveillance là. Mais. En vigilance, pardon. Mais est-ce que ça va vraiment. Est-ce qu'il va pas réagir quand je mets en vigilance? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je vais tirer une fois. Avec la chance, il va taper encore quand il va essayer de bouger. Voilà, représailles. Et il a raté représailles, merde. Ah, c'est mort là. Attends, ah, peut-être pas. Il a juste bougé en fait, il s'est juste activé, il était toujours. Critique, très bien. Ah merde! Oh la vache, il avait rien. Il avait rien comme HP. S'il avait pas loupé son ripjack là. Ah c'était parfait. Ah Mox t'as merdé. Mox t'as merdé. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on était bien. Reloading, cover me. Oh mon dieu, ça me fait chier, ça m'embête. Menace 1-5, statut confirmé. Bah c'est bien en plus, je voulais des anonymes, donc on a récupéré des anonymes. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Dites-leur de poser à côté d'un menu Advenburger, pour la science bien sûr. Ah ça m'embête, ah ça me frustre. Une fois de plus, XCOM s'oppose au progrès. Une fois de plus, ces hommes ont attaqué nos soldats de la paix en plein territoire extérieur. Une fois de plus, ils tentent de nous imposer le chaos et la brutalité de leur monde tombé en désuétude. Mais rien ne nous fera reculer. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes Advent. Ouais. Là, j'avais bien joué en plus. Le fait de m'avancer exprès, de pouvoir taper, de pouvoir faire représailles automatiquement. Après, ce qu'on aurait pu faire aussi. La résistance est l'un de nos plus fidèles vétérans. C'est un témoignage pour notre cause. Ce qui aurait pu être mieux aussi, c'est Lupo. Au lieu de faire assassin, parce que je pensais qu'assassin, une fois que je fais assassin, genre je pouvais enchaîner course et tir. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. Je lui mettais course et tir. On se mettait à côté du berserker et on tirait au fusil à pompe. Et elle aussi, elle a représailles. Donc là, le truc il crevait automatiquement. Là, on le tuait. J'aime bien les petits logos là qui ont été rajoutés. Bonjour, commandant. Mais bon, c'est bien passé, hein. C'est bien passé. C'est pas nul, mais voilà. On aurait pu le tuer. Maintenant, on le reverra une prochaine fois. Par contre, on a eu beaucoup de promotions là. C'est cool. Là, ça a été au max. Alors, réduit tout le temps de rechargement à capacité de 1. Réduit tous les temps de rechargement. Ah oui, des capacités de 1, c'est pas mal. Déclenche une action immédiate après le tour de chaque ennemi dans le champ de vision. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est seigneur de guerre, c'est énorme. Justice, l'unité est la cible d'une attaque. L'ennemi a une chance d'être pris de panique. C'est un peu comme le truc du robot. C'est bien aussi, hein, c'est top. Réflexe, à chaque tour, le premier tir réflexe contre vous sera manqué. C'est aussi bien. Enfin, quoi qu'il a de la merde un peu. Équipement tactique, hein, je ne blesse pas ça.
Ah oui, c'est vrai que lui, il a deux emplacements. Normalement, il en a qu'un seul. Et là, il a un équipement tactique en plus. C'est plutôt cool. Mais genre, on s'en fout. Tir de saturation, on s'en fout aussi. Mais je crois qu'il faut l'activer, ça. Meneur de guerre peut permettre à l'escarmouche de se sortir de situations délicates. Meneur de guerre ne peut être utilisé qu'une fois par mission. Voilà. Voilà, c'est ça le mauvais côté en fait. C'est ça le mauvais côté, parce que seigneur de guerre, si ce serait tout le temps, genre un passif, ça serait énormissime. Mais c'est pas un passif. Vous le déclenchez une fois pendant qu'il est genre dans la merde, on va dire. Et quand les ennemis vont bouger, lui il va pouvoir bouger à son tour. Il va pouvoir faire une action. Donc oui. Détournement, ça c'est vraiment cool aussi. Donne une action supplémentaire à un coéquipier. Présence au combat, c'est pas mal aussi. Ça aussi c'est pas mal, l'interruption. Certaines actions telles que vigilance ne sont pas disponibles lors d'une interruption. En gros, c'est... Mais ça aussi je crois que c'est, par... c'est un tour, c'est un cooldown. En fait, il va pouvoir faire n'importe quelle action au lieu de faire une vigilance. Oh, c'est emmerdant. Je sais pas quoi prendre. On a 32 points. Pff. Au final, les troupes... On va prendre ça, je pense. Les capacités. Et il nous reste 7 points. On va attendre qu'il en récupère plus. Parce que j'ai pas envie d'acheter trop de trucs. Ça aussi, ça se déclenche une seule fois par mission, c'est un peu con. Ouais, non, c'est trop de points après. Alors, puits de balle ou salve? Salve, évidemment. T'es pas encore max, Gordon. Position défense. Ah putain, t'as que de la merde, Gordon. T'as vraiment que l'œil de Link qui est intéressant. Bon, après, il y a, oui, visio-graphique, mais encore. Implacable, ça peut être bien, en fait, pour Gordon. Parce qu'il peut, il tue souvent, en fait, en une fois. Donc après, il peut bouger. Et vu que c'est un médecin, tout ça, et c'est un hacker, ça, c'est pas mal. Tu veux utiliser tous vos points d'action, déplacement. Ah oui, c'est vrai. Et là, il y a protecteur. Un autre tir, mais... Le problème, c'est que tu as une arme avec une seule cartouche. Donc, non. Donc, non. On va prendre vigilance sans faille. Et je pense qu'on va prendre implacable pour lui. Ça fait que 3 points. Ça va être utile. Voilà, très bien. Lien de frère d'armes disponible. Elena. Ah oui, c'est pour le niveau 2. Ah mais ça va être 6 jours. Et là, on a une mission qui n'est pas une mission de base. Donc là, du coup, c'est qui a ça? C'est Elena et Lupo. Ça fait... Pas avoir Lupo dans, dans la mission, ça casse les couilles. Hein. Il casse un peu les noix. Tours. On a le Spark. Cinq jours. On va attendre avant de faire ça parce que là on n'a pas Mox. Il nous manque un grenadier. On n'a pas le Templier. Si on envoie Elena et Lupo, ça ferait un super Ranger, donc les plus gros dégâts qui sont plus là. L'éclaireur qui est plus là. Vector, il est pas prêt encore. Donc 5 jours. Donc si on a une mission avant les 5 jours, on est mort. On n'a pas de. On n'a pas de scout là. On n'a pas de faucheur quoi. On n'aurait que le Spark en fait. Ce qui est vraiment utile. Après, bon, le reste, c'est normal. En fait, c'est basique.
Donc non, on va attendre. On va pas les envoyer monter au niveau 2. Là. Après, c'est quoi entraînement de capacité? Je me rappelle plus de ce que c'est ça. Non, mais c'est juste pour choisir. Ouais, c'est juste pour choisir. Assassin, faucheur, tir rapide. Visée hologramme aussi, c'est peut-être pas mal. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a des visées hologrammes en fait. Plus ou moins tout le monde. Donc les tirs deviennent très très précis. Je veux pas dire, mais les tirs deviennent très très précis. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, salut. Ciao.